ara a l'última ponència del matí, que és Sandrine Desprez, perdoneu, perquè jo puc intercomprendre, però no m'expresso gaire bé o gens bé en francès, que ens parlarà d'intercomprensió dels projectes a les activitats pràctiques. Sandrine és professora de primària de l'Educació Nacional Francesa, màster en didàctica del francès com a llengua estrangera per la Universitat de Stendhal-Grenoble i màster en tractament de la informació i de la comunicació per aquesta universitat. Actualment és professora de francès a l'Aula Escola Europea i també professora associada aquí al Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB. La seva recerca i els seus àmbits de treball es relacionen amb la didàctica de les llengües i el plurilingüisme i més concretament amb la intercomprensió. Ha participat i encara participa en diversos projectes d'intercomprensió, dels quals alguns ja n'hem parlat, com ara Galapro, Redinter i Miriadi. Sandrine, quan vulguis. Bon dia a tothom. Com a introducció, només necessito avisar-vos que no faré la meva presentació en la llengua catalana, que d'una banda no em sento molt còmoda expressar-me que tinc competències parcials en català i encara, i sobretot davant d'un públic, i per altra banda perquè hem pensat que hem parlat molt d'intercomprensió i ja sabem que necessitem pràctica la intercomprensió i és una bona manera de començar tots junts. C'est pourquoi, voilà, maintenant je peux commencer. Je vous parlerai aujourd'hui de l'intercompréhension. Mes collègues ont déjà présenté les différents projets, etc. Donc je passerai assez vite sur l'évolution de l'intercompréhension et sur les projets d'intercompréhension, mais centrerai et situerai le projet Miriadi que nous développons au département de philologie française et romane, et vous présenterai une partie de ce projet qui vous concerne directement, vous, professeurs de langue. Miriadi dans l'intercompréhension se situe dans un axe particulier qui est celui de l'interaction et d'Internet, donc de la distance. Vous savez que dans les différents projets et dans l'évolution de l'intercompréhension, tous ne travaillons pas de la même manière et notre spécificité, c'est l'interaction et la distance. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons que cela. Et vous le voyez dans ce petit hexagone, Miriadi propose des ressources. Ce sera aussi, et c'est déjà une plateforme de travail avec les langues romanes, mais qui a vision d'élargir à d'autres langues, germaniques, slaves, etc. Élargir à tous les publics, de mutualiser les connaissances, de mutualiser tout ce qui est réalisé par les professionnels, de créer un réseau et de proposer des formations. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très complet, dans lequel chacun va pouvoir participer à sa manière, les formateurs, mais aussi les professeurs, les chercheurs, chacun à son propre niveau. Miriadi fait suite au projet Galatea, Galanet, Galapro et Redinter, mais il a pour objectif d'inclure et de s'ouvrir à tous les autres projets qui ont travaillé sur les langues romanes, tels que ceux qui ont été présentés ce matin, EuroM4, EuroM5, EuroComRome, pour mutualiser vraiment tous les produits, toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant pour créer des ressources les plus complètes possibles à offrir aux personnes qui souhaitent se former ou qui souhaitent former à l'intercompréhension. Donc toutes les institutions, les personnes, vous individuellement, pouvez rejoindre et vous inscrire sur Miriadi pour contribuer vous aussi à l'extension de ce réseau. Miriadi s'est organisé en lots de travail, comme ça se fait dans tous les projets. Et principalement, nous réfléchissons par équipe de différents pays sur le référentiel dont a parlé ma collègue, des scénarios pédagogiques adaptés aux conditions et de classe et aux besoins des publics. Alors, recueil inventarii, c'est le recensement en français
c'est-à-dire de toutes les activités qui ont déjà été faites, que vous avez déjà réalisées en intercompréhension, de pouvoir les prendre en compte, de pouvoir les offrir au reste du réseau. Partage des ressources, bien évidemment, tout ce qui a déjà été fait aussi pour être partagé, et l'insertion curriculaire. Chacune de nos équipes a des personnes responsables pour mutualiser, encore une fois, et rendre le plus pertinent possible tous ces différents aspects. Donc, je vais maintenant vous parler plus particulièrement du lot 6, qui est une base de données, une base d'activité, dans laquelle vous verrez, vous avez dans les petits fichiers, alors deux tableaux qui sont juxtaposés et qui correspondent à une base de données telle que nous l'avons pensée, imaginée, comme correspondant aux besoins de vous, professeurs, qui souhaitez former à l'intercompréhension et être formés. C'est parti de l'idée de quand on cherche des ressources sur Internet, on est professeur de français, on est professeur d'allemand, on est professeur d'anglais, et on se restreint à chercher dans sa langue. On ne va pas aller voir forcément en anglais ce qu'il propose ou en roumain ce qu'il propose. Et nous avons voulu proposer une base de données qui permette à la fois de rentrer nos propres activités selon des critères bien déterminés, mais aussi à la fin du projet, de pouvoir faire des recherches et d'accéder à toutes les ressources créées par les personnes. D'accord ? Donc, je ne vais me centrer lors de cette présentation seulement sur les points qui nous ont semblé caractéristiques, propres à l'intercompréhension et à notre projet. Évidemment, vous verrez qu'on peut entrer par le public, par l'âge, etc. Mais ici, voilà, nous présenterons ces activités langagières. On peut faire une recherche ou entrer sa fiche par les activités langagières. Je suis professeur et moi, ce qui m'intéresse, c'est une activité de compréhension de différentes langues en parallèle à l'écrit. Alors, on pourra rechercher par la suite cette fiche en sélectionnant dans la base de données ce critère. Mais on peut aussi le laisser indifférent. Ce qui m'intéresse, c'est la totalité de ces ressources. Je n'ai pas de critères sur ce thème-là. Donc, vous voyez qu'il y a de la compréhension, mais aussi des pratiques, une langue, différentes langues, des interactions plurilingues, et puis les différents canaux oral, écrit. Donc, une diversité de ce qui est proposé en termes d'activités langagières. Donc là, on élargit par rapport à ce qui est traditionnel. D'autres points, ce sont les étapes de la formation. Il y a 3 niveaux. On veut simplement sensibiliser. Nos élèves n'ont aucune connaissance de l'intercompréhension, du travail dans les différentes langues. Donc, ce sont des premières activités pour tester un petit peu, leur faire découvrir un monde. Ou alors, ils ont déjà l'habitude de travailler cela dans leurs écoles, dans leur environnement. Et ce qu'on veut, c'est les entraîner, leur faire vivre toutes ces expériences de manière un peu plus approfondie. Ou alors, ce sont des gens très formés et qu'ils veulent se perfectionner, aller vraiment dans plus de détails et aller plus loin. Donc on propose, ce qu'on imagine, c'est proposer ces différents types de catégories. Pour le scénario aussi, peut-être que ce que l'on veut, c'est travailler la langue, mais peut-être qu'on va être en Émile, en DNL, donc en histoire. On apprend l'histoire en français. Donc c'est ça qui nous intéresse, de chercher des activités qui seront spécifiques pour cet apprentissage de disciplines non linguistiques. Ou alors, j'ai envie de former des professionnels, des entreprises qui sont sur Barcelone, j'ai envie de les former. Et donc, il y aura des scénarios professionnels adaptés aux conditions, en termes d'horaire, en termes de contenu, pour que chacun puisse former avec un scénario le plus proche possible de la réalité éducative. On peut chercher par rapport et enregistrer par rapport à la langue. Quelle est la langue de mes élèves? Est-ce que ça m'intéresse comme critère de le mettre? Oui ou non? Indifférent? Ou alors je choisis. Mes élèves sont de langue germanique et je veux qu'ils soient formés aux langues romanes. Alors on pourra faire des couples comme ça de langues, langue d'entrée, langue de sortie, langue source, langue cible. D'accord, c'est une manière différente de chercher et de retrouver les ressources. On a aussi réfléchi sur les compétences visées et les objets de la formation.
Évidemment, quand on fait de l'intercompréhension en interaction et à distance, on va travailler simultanément la perception et le traitement de la transparence, le traitement de l'opacité, les faux amis, l'adaptation de l'expression et la médiation. Bien sûr, les objets de la formation vont être culturels, linguistiques, non-verbaux et communicatifs. Mais là, on va essayer d'identifier ce qui est la dominante, ce qui nous intéresse le plus. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler l'opacité. C'est ça que je veux identifier. J'aimerais avoir un matériel qui me le permette. Ou alors, ce qui m'intéresse, c'est le culturel. C'est ma priorité et je vais faire une recherche dans la base de données sur ce critère particulier. L'idée, c'est de fournir un maximum de critères de recherche aux enseignants ou aux personnes elles-mêmes, aux institutions, pour cibler leurs critères et favoriser le dépôt des fiches et ensuite la recherche. Entre nous, dans notre département, et on a essayé déjà de créer quelques fiches. Non pas créer des activités, mais les mettre en forme sur des fiches que l'on imagine pouvoir déposer sur cette base de données. Et on a essayé de voir en sensibilisation, à l'oral, en interaction, en compréhension écrite ou l'interculturel. Et on a essayé, notre objectif, c'est de renforcer, d'élargir ceci avec les autres équipes partenaires, mais aussi de l'ouvrir dans un temps un peu plus tard à vous tous. Vous tous qui, peut-être, avez déjà fait des activités d'intercompréhension dans vos différents établissements. Ça vous paraît souvent, oui, mais c'était juste une activité d'une demi-heure, c'était rien. Mais toutes ces petites choses sont des expérimentations, sont des choses qui peuvent être utiles pour d'autres, qui vont faire une base de données beaucoup plus importante et vont permettre de donner des outils. Le professeur qui était intervenu tout à l'heure disait qu'il n'y avait rien sur les langues minoritaires. Oui, mais peut-être que si chaque personne qui avait travaillé un jour, à un moment, sur cette langue minoritaire, s'il l'offrait à Myriadi ou à un autre, mais à Myriadi dans notre cas, ça serait une possibilité pour d'autres de compléter, d'interagir avec eux, de construire ensemble des nouvelles ressources. Alors, nous vous proposons maintenant de réaliser une fiche. Alors, cette fiche-là, je l'ai créée, imaginée spécialement pour cette journée. J'ai suivi la démarche que vous pourriez faire, vous aussi. C'est-à-dire que j'ai fait une expérimentation à l'école Aula Escola Europea avec des élèves de primaire de bachillerat qui ont suivi une session Galanet. Donc c'est sur la plateforme Galanet. Les élèves sont par équipe de différents pays, de différentes langues. Et ils ont pour objectif de rédiger en commun, en collaboration, un dossier de presse plurilingue. Alors, en soi, c'est une activité qu'on pourrait mettre dans une fiche. Mais ici, j'ai voulu présenter le travail que j'ai fait de systématisation sur l'usage des forums et des chats. Alors, ce sont des choses qu'ils ont vécues en interaction. Ce n'est rien, comment dire, de nouveau. Vous le connaissez, vous l'avez certainement vécu. Mais simplement, ça peut donner lieu à une fiche que je veux faire pour vous montrer comment on peut le synthétiser. Les élèves ont fait des forums, ils ont écrit des messages, ils ont lu des messages, ils ont interagi sur des forums. Et voilà le genre de forum. Il est entier, il est vrai, je ne l'ai pas composé. C'est un forum qui a eu lieu lors d'une session. Et on peut s'arrêter un moment avec les élèves pour essayer de leur faire prendre conscience, justement, de ce qu'ils sont en train de vivre, des phénomènes de transfert qu'ils sont en train d'opérer. Et pour leur rendre conscient, pour qu'ils prennent conscience de cela. On peut s'arrêter, par exemple, simplement sur la manière dont on commence un message, la manière dont on se salue. Alors évidemment, en roumain, le bunia, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, buna, on ne sait pas, a priori, on ne connaît pas le roumain, forcément, on ne sait pas ce que ça veut dire, on est capable de l'identifier comme une salutation, comme une entrée en matière du message, par comparaison, par stratégie de transfert avec les autres choses que nous connaissons. On peut aussi, et ça ils le font très facilement, les élèves, chercher les similitudes entre les langues. Pessoas, personas.
Donc tout ça, ils vont être capables de l'identifier très facilement. Donc, la même manière utile, mais on peut aller plus loin, montrer qu'il y a des verbes, qu'il y a des verbes conjugués, qu'il y a des adjectifs, différentes fonctions grammaticales aussi, que pourtant on identifie comme faisant partie d'un même champ lexical. Et puis, on peut avoir un intrus, un faux ami, quelque chose qui est opaque. Et ici, c'est utile aussi en roumain. Mais évidemment, ça ne ressemble pas aux autres. Mais on peut s'y arrêter si on le souhaite. L'expression de l'opinion, on peut aussi s'arrêter sur la manière dont on exprime ses opinions dans les différentes langues et on verra qu'on les identifie très facilement. Les élèves le font de manière très intuitive. En tchat, on peut s'en rapprocher aussi, on peut l'étudier et les élèves eux-mêmes le font très vite. On va voir que les temps s'accélèrent, on est quasiment comme de l'oral. Et ça nous permet d'avoir des interactions qui sont différentes et qui vont amener à une réflexion différente également. Dans le forum, on est plus dans la réflexion, on essaye de bien s'exprimer, on sait qu'on a le temps de le faire. Dans le chat, c'est rapide, ce que l'on veut, c'est communiquer, interagir. On veut que les autres nous répondent, on veut avancer dans la discussion. Et c'est ce qui va se passer. On voit que régulièrement, dans ce chat, mais dans beaucoup d'autres chats, on a des personnes qui recadrent le discours et qui disent « Bon, vous parlez de quoi ?» Et « Bon, maintenant, on revient au thème. Hein, » et ça nous permet d'avancer, de restructurer, comme on le ferait à l'oral. On voit aussi que plusieurs personnes peuvent répondre, parce que ça va très vite. Alors, de qué estáis hablando? De notre coin de paradis. Ah si. Et un autre répond en même temps. Alors c'est difficile à suivre, mais c'est ce qui permet de comprendre. On a plusieurs choses, plusieurs phrases qui ont le même signification, mais qui sont dans différentes langues. Évidemment, vous le connaissez, des chats, donc de nombreuses, des smileys, des abréviations, des manières de parler qui sont plus dirigées vers l'oral, des rires. Vous savez qu'on ne rigole pas de la même manière en français qu'en espagnol ou qu'en italien. Hein, on ne rit pas du tout de la même manière. Et puis certains s'amusent aussi à changer de langue. Pourquoi pas? S'ils ont plusieurs langues dans leur profil langagier, ils aiment changer, modifier. Donc là, on voit quelqu'un qui parle en espagnol et puis ensuite qui change et qui s'exprime en français. Voilà ce que j'ai réalisé à l'école. Par rapport au chat et au forum qu'ils avaient vécu, nous nous sommes arrêtés pendant une heure pour réfléchir sur la manière dont était réalisé, dont ça fonctionnait, un chat, un forum, ce qui était facile d'identifier, de comprendre, comment on pouvait aller plus loin pour que dans le futur de leur chat et forum, ils puissent encore améliorer, encore aller plus loin dans leur stratégie de transfert. La fiche, elle vient d'elle-même. Les activités langagières, j'en ai mis deux, mais on pourrait restreindre à une. La principale activité, c'est comprendre des interactions écrites plurilingues. Mais puisqu'ils avaient réalisé sur Galanet des interactions, c'est aussi les pratiques d'interaction écrites plurilingues. L'étape de la formation, l'entraînement, puisqu'ils sont déjà pratiqués et là on s'arrête pour aller plus loin. Le scénario visé est linguistique, c'est la langue que l'on souhaite travailler. Les langues sources et langues cibles, dans ce cas-ci, sont les langues romanes. Les compétences visées, majoritairement, prioritairement, la perception et le traitement de la transparence. Et je m'arrête sur les facteurs linguistiques et la composante sociale et communicative. Ce n'est pas une activité qui a demandé énormément de temps. Ce n'est pas une activité qui demande énormément de compétences langagières propres. Le roumain, j'ai des notions, mais je ne le parle pas. Je ne le comprends pas de manière intuitive et fluide. Mais avec les élèves, avec eux, on construit ce savoir, on réfléchit sur la langue et cette fiche-là, elle va entrer dans Myriadi. Elle va pouvoir être déposée comme un exemple de ce qui peut être fait. Et chacun va pouvoir la compléter, enrichir avec un autre chat qui s'est déroulé de la même manière mais avec d'autres langues, par exemple. Donc c'est une construction en collaboration. La base de données, nous, on la conçoit, on l'imagine, il y a l'outil informatique, il y a les champs, hein, et les différents items que l'on souhaite mettre en place, mais elle ne peut pas se faire
sans les acteurs sur le terrain, des enseignants, des professeurs, des élèves. Et voilà, je l'ai mis... Ça s'est fait déjà, c'est en train de se faire et on continuera à le faire. Mais l'idée, c'est vraiment de mutualiser pour qu'ensemble, on puisse construire l'intercompréhension de demain, qu'ensemble, on puisse échanger nos pratiques pour aller toujours plus loin. Chacun avec ses idées, chacun avec ses orientations. Et c'est ce qui fera l'avenir de Myriady et de l'intercompréhension, selon nous. J'avais mis quelques références. Merci beaucoup de votre attention. Moltes gràcies, Sandrine. Si hi ha alguna qüestió, algun dubte, pregunta que vulgueu plantejar ara mateix algun dels tres ponents, seria ara el moment. Bé, si no, i com us comentava aproximadament fa una hora i mitja, si hi ha alguna de les persones aquí doncs, que vulgui molt breument exposar alguna de les activitats, productes que estigui treballant ara amb tot aquest tema de la intercomprensió i vulgui doncs, sortir en tot cas aquí davant un minut per comentar-ho amb la resta de nosaltres, serà benvingut, aprofitant els dos últims minuts que ens queden de jornada. No, estava proposant de fer-ho al senyor Manuel Tost, deixar fer-ho. No sé si està en sèrio. Sí? Sí, d'acord. Doncs només quatre paraules per parlar d'un projecte que s'ha fet al CELF, al Consell de l'Europa. És un projecte que comprenia la mutualització de diverses escoles i diversos centres que tenien normalment una part reservada a l'ensenyança de llengües minoritàries i llengües regionals, i es tractava de formar una xarxa d'aquestes escoles per fer junts activitats. Aleshores, les escoles en qüestió eren, per exemple, a Còrsega, al Val d'Ost, a la Catalunya Nord, n'hi havia també a la Provença francesa, n'hi havia a Itàlia, si recordo malament, no recordo malament, n'hi havia a Escòcia, i era molt curiós perquè s'havia fet tota una sèrie d'activitat amb els països nòrdics, o sigui, hi havia una intercomprensió que... per nosaltres va ser com una sorpresa més propera de que ara diguéssim a les llengües escandinàvies que no passa amb l'anglès. També s'ha fet una sèrie d'activitats que reprenien una mica els quatre enfoques o enfocaments, no sé com s'ha de dir, plurals, que és segons... aquestes divisions, doncs hi havia activitats d'intercomprensió. Nosaltres a l'Autònoma vam presentar Itinerari Romo, que ja teníem treballat de cara, diguéssim, a fer-lo, a didactitzar-lo. També hi havia activitats de, bueno, d'integració, o sigui, de veia longa, de despertar les llengües entre el Val d'Ost i a Còrsega. Realment ens vam adonar que hi havia un continu lingüístic i que els alumnes n'eren molt, molt conscients, de que no tenien, o sigui, no tenien gaire problemes en seguir un bloc junts, o hi havia desplaçaments de classes i tal, i hi havia gent, o sigui, els nens que es presentaven, tu com te'n dius, què fas, etc. Un parlava en italià, l'altre en austià, l'altre en occità. Esclar, tot això costa molt de muntar, però el resultat ha valgut la pena realment, i tot aquest projecte està descrit dintre d'un petit manual que, bueno, hem portat uns quants fulls que estan allà a la sortida. De totes maneres, està dintre de la pàgina web del CELF, i bueno, és un projecte de 4 anys que ha donat per molt.
qui a, bueno, a fait a construit diguéssim bastantes activitats. També hi havia equip de Canadà. Allà, clar, tenen un plurilingüisme natural, per dir-ho d'alguna manera, que fa que ens ha portat també molt en el sentit del paisatge lingüístic. Doncs res, no em volia estendre, només donar compte d'aquest treball i, bueno, si podem compartir alguna de les activitats algun dia, aquest tipus de tipologia de treball. I penso que el funcionament en xarxa ha donat molt bons resultats i també l'hem continuat amb Miadi, amb Canadà, per aquesta raó. Moltes gràcies, doncs. I bueno, potser ens podem contactar a partir dels folletos que hi ha fora i discutir-ho més extensament.